un champignon. Il dit un champignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une story time. Donc l'arnaque que j'ai eue sur Insta. Non mais vraiment. Donc sans plus tarder, on va passer à la story time. Donc vu que moi, enfin c'était le début, genre au début je voulais pas mettre de perruque, mais vraiment pas, genre les perruques, limite c'était ma phobie. Mais je voulais essayer parce que voilà, je connaissais pas bien et je voulais voir comment ça allait faire sur moi et tout. Donc vas-y, je vais sur Insta comme d'hab. Et je tombe sur une page Insta, genre une perruque, genre comme par hasard, genre une perruque trop belle, genre longue du 30 pouces, genre vraiment une bête de perruque. Et genre je me dirige sur le site et tout, j'appuie tout ça, je vais sur le site et je vois une meuf trop belle, genre avec la perruque. Genre j'ai grave kiffé, je me suis dit putain, genre ça va grave m'aller en fait. Et vas-y, genre en plus la perruque elle était à 30 euros. Je me suis dit, ouais, t'es vrai, mais putain, je me sentais plus, genre, limite, je sais pas, mais je me sentais trop, je m'imaginais déjà, genre, les photos que j'allais faire et tout. Genre, en mode, j'allais dire, ah bah, t'as vu, j'ai payé une perruque 30 euros, regarde, qu'est-ce que ça fait sur moi et tout. Donc, vas-y, je commande ma perruque, tranquille et tout, je suis trop contente, tout ça, là, là. Une semaine passe, pas ma perruque, et ma perruque, elle vient pas. La deuxième semaine, ma perruque, elle vient. Et genre, c'était un lundi, ouais, je crois. Ouais, c'était un lundi. Genre, je me dirige vers ma boîte aux lettres et tout. Je vois l'emballage, tout ça. Et je me dis, ah, mais c'est peut-être ma perruque. Genre, je touche, c'est... Tu vois, il y a ça. On sent, genre, qu'il y a une perruque à l'intérieur. Donc, vas-y. Et moi, je connaissais pas trop. Donc, je me disais, vas-y, l'emballage. L'emballage, en fait, il était en aluminium bizarre. Mais je me suis pas trop posé de questions. Donc, vas-y, je vais à la maison, tout ça. J'ouvre mon truc. J'ai cru que j'allais pleurer. J'ai ouvert le paquet. J'ai fait ah, c'est ça. Non, 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 ils m'ont blagué. Insta m'a blagué. La perruque. Une perruque de tantine. Vous voyez les tantines quand elles vont dans les funérailles là. Les tantines avec les cheveux coupés court court là. On sait pas où elle est, elle arrête. On sait pas où ça commence, ça termine. On sait rien du tout. Ouais. On sait même pas où faut mettre. S'il faut mettre le truc devant, le truc derrière, on sait pas. Donc j'étais là, j'étais choquée. Je regardais ma perruque. Je regardais mon téléphone avec la photo. Je me disais, mais attends. Mais Insta m'a eu. Instagram m'a eu. Non, ils m'ont vraiment pas respecté en fait. Ils m'ont vraiment pas respecté. Mais en fait, il fallait que je m'attende à ça parce que, wesh, 30 euros, une perruque, genre bien 30 pouces avec qualité, tout ça. Mais après, vu que c'était ma première perruque, je me posais pas trop de questions. Mais là, quand j'y repense, c'est trop, la perruque, je sais même pas où elle est. Oh. Même ma soeur, elle a dit, essaye pour voir sur ta tête. Je me suis dit, mais toi, t'es malade, ça va pas chez toi. Non, c'est trop. Franchement, j'étais grave dégoûtée. J'ai cru que j'allais pleurer. Vraiment, genre, j'ai cru que j'allais pleurer. J'étais tellement énervée que la perruque, genre, je l'ai balancée. Ça m'a saoulée, en fait. Ça m'a grave saoulée. Et mes soeurs, elles étaient là. Et mes soeurs, elles étaient là. Elles étaient là. Parce que moi, j'écoute jamais ma mère. Elle m'a dit, ouais, mais tu vas commander une perruque, nan. Elle me disait, si tu commandes une perruque, tu me tiens au courant. Tu me mets au courant. Parce que achète pas n'importe quoi, parce que moi je suis une fille en fait, je vais sur Instagram, genre je vois un truc, je l'achète direct, tu vois, genre ça me tape à l'œil, je l'achète, genre je parle pas chinois. Et là, vas-y, j'ai pas écouté ma daronne, je me suis dit mais non, mais c'est bon, je vais acheter une perruque de 30 euros. En plus, si elle arrive et que vous voyez, en gros, je serais on flic et tout, vous allez voir, genre en gros je me sentais trop, tu vois, j'étais trop loin, j'étais loin. Ça m'a loupé. J'ai dit mes copines, ça m'a loupé. Ça m'a loupé. Vraiment, mais ça m'a loupé. Ça m'a même pas frotté. Ça m'a loupé. J'avais trop la haine. J'avais trop la haine. J'étais là genre en mode, putain. Je me suis fait avoir là, Crary. Crary, je me suis fait avoir. Pour couronner le tout. Je vais encore sur Insta, je tombe sur une autre perruque. Je me suis dit, Leslie, non. Ça, c'est un autre site et tout. T'inquiète, genre, ça va le faire et tout, nanana.
taises. Tu parles. Tu n'as pas dit que tu es bête. La perruque, elle était à 40 euros. Je me suis dit, bon. Ils m'ont eu une fois. Là, c'est un autre site. Donc, peut-être qu'il y a moyen que, voilà. On peut s'arranger. Vas-y, je commande la perruque et tout. Elle arrive. Eh, Seigneur. Eh, Yahweh. Perruque que j'avais acheté avant, là, précédemment. Retenez bien. La perruque que j'ai acheté précédemment, là. Oh là 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 là. C'était même son plus court qui était là. Son plus court. Ça veut dire que la perruque m'arrivait là, hein. Non, c'était trop. Là, c'était vraiment... Tu te fous un champignon. Il a dit un champignon. Un champignon. Un champignon. C'était même pas... Même ma tête rentrait pas dedans. Non. Franchement, là, quand j'y repense, je me dis, mais attends, 40 euros plus 30 euros. J'aurais pu avoir une... Même, je sais pas, je pouvais m'acheter des mèches, des brésiliennes, frère. Et j'aurais customisé ma perruque tranquille. Un champignon. Je vous dis, ça faisait même pas toute ma tête. Déjà, j'ai une grosse tête. C'est-à-dire, ça faisait même pas toute ma tête, en fait. Franchement, Instagram, je te dis que tu m'as eu. Vraiment. Genre, vraiment. T'as pas à faire des trucs comme ça, en fait. T'as pas à vendre du rêve comme ça. Je te le dis. Non, franchement, j'avais trop la haine. J'avais trop la haine. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, vous faites pas avoir par Instagram parce que... Frère, je me suis fait avoir. Laisse tomber. Hein. Je ferai une autre story time. Et elle sera plus longue parce que ça va vous... En fait, ça va raconter mon enfance, genre. Plein de petits trucs et tout, des péripéties, mes aventures, les aventures de Leslie. Bref, parce que quand j'étais petite, je faisais des catastrophes. Donc voilà, donc on s'attrape la famille. Ajoutez-moi sur Insta, likez, partagez, commentez. Partagez, hein, franchement partagez, parce que monter une vidéo, là, c'est pas facile.